Bonjour, Jérôme Guéry, cavalier belge, 26e au ranking mondial. Je vais vous présenter Garfield aujourd'hui, étalon, gris par Quasimodo. Il s'appelle Garfield et nous on l'appelle Gros Chat. Il est à moitié pie, il a une couleur très très spéciale, il est gris brillant. D'ailleurs, ma groom, tout le monde va lui demander quel savon elle utilise parce qu'il est toujours vraiment reluisant. C'est vraiment, il a une robe très très particulière. Avec sa tache, on le reconnaît parmi tous. L'origine, je ne sais pas vous dire, mais c'est sûr que c'est un cheval qui attire le regard et qui a un look très sympa. C'était assez particulier. Le propriétaire, ça faisait plusieurs mois qu'il me demandait de monter son cheval. Je le voyais avec un cavalier belge dans les épreuves un peu moins hautes. Le cheval était bien, mais je ne pensais pas que c'était un cheval aussi bon que ce qu'il est. Et après un bon parcours sur 1m50, il m'a envoyé la vidéo, je dis ok, je vais quand même une fois m'asseoir dessus. Et assez rapidement, il y a quelque chose, enfin, comme avec chaque cheval que j'ai eu, il y a un sentiment qui se fait assez rapidement. Et puis voilà, c'est un cheval très attachant, qui se donne vraiment beaucoup. Et il a eu une super saison l'année passée et il continue vraiment à être un pilier dans mon écurie. C'est un étalon, mais il est tellement brave, il ne sait pas vraiment qu'il est étalon. Il est super gentil pour tout. Bon, c'est un peu un fainéant, à la maison, il n'aime pas trop travailler. Mais dès qu'il rentre dans la piste, dès qu'il sait que c'est le concours, là, il se donne vraiment à fond. C'est un cheval vraiment agréable à s'occuper et il a vraiment une chouette personnalité. Bon, c'est un cheval qui aime bien qu'on fasse attention à lui. Donc, il aime toujours être un peu le centre des activités. Mais après ça, il n'y a pas vraiment... c'est pas un cheval qui est désagréable ou qui a de mauvaise humeur, il est toujours de bonne humeur, il veut toujours faire. Bon, Garfield, maintenant à 13 ans, il a fait une très très grosse année l'année passée. Cette année, il est plutôt deuxième cheval, il a été numéro 1 toute la saison passée. L'objectif avec Garfield, c'est vraiment essayer chaque fois qu'il sort de faire un bon résultat et un peu soulager aussi Kellum, donc qualifier Kellum pour les Grands Prix. C'est un cheval, il est très très bon les premiers jours. Donc on peut compter dessus directement. C'est pas un cheval qu'on doit attendre le troisième jour pour qu'il soit compétitif. Dès le premier jour, comme il a déjà vu toutes les pistes partout dans le monde, il n'y a pas d'émotion, il rentre dans la piste et il est tout de suite compétitif. Donc il va vraiment être utile pour soutenir Kellum et pour pouvoir aux échéances comme ici, quand j'ai pas Kellum, pouvoir être numéro 1.